Laurent, humoriste sur scène et à la radio, personnage trouble, louche ou négatif dans un téléfilm, c'est pas la première fois. C'est non, c'est votre pas registre. La, c'est de, pas la première fois, mais de fiction. On me propose souvent ça. Après, être dirigé effectivement par une actrice, c'est aussi intéressant et qui fait une belle mise en scène. Mais c'est vrai qu'on me propose. On propose plutôt des rôles de tordus, oui. Ouais. C'est, mais on le proposait sans prétention aucune, mais on le proposait à Jean-Yann aussi quand il fait des films avec Chabrol. Il est, quand il fait Le Boucher ou Que la bête meurt, il est pas fréquentable. Et je crois surtout que les comiques ont toujours quelque chose de triste, en fait. Ce sont des clowns tristes. Donc ça appelle, on projette quelque chose d'assez... J'étais joyeux quand même, tu m'as un peu canalisé. Non, mais c'est, ça rend le... Moi, quand la première fois que j'ai rencontré Laurent, j'étais très émue parce qu'il m'a touchée. Je me suis dit, cet homme, il a une part secrète qu'on ne connaît pas, ouais. En fait. Il est tordu. Et qui masque en étant drôle. Et voilà. Je m'arrête un instant sur la référence à Jean-Yann. Il y a une citation très célèbre quand Chabrol, la première fois, l'appelle pour lui proposer le rôle du boucher. Mmh. Il dit à Jean-Yann, j'ai un rôle d'ordure, est-ce que vous accepteriez? Et Jean-Yann lui a répondu, je n'y vois pas d'abjection. Voilà. Et pour le plaisir, on va regarder... un peu de Jean-Yann, qui parle... On ne s'était pas parlé avant. Hein. Non, mais qui parle de son rôle dans Le Boucher et de la mise en scène de Chabrol. On me catalogue comme quelqu'un disant des choses méchantes dans la vie à propos des gens, mais là, ça n'a rien à voir, parce que cette espèce de jeu qui consiste à obéir quand on fait un film fausse le problème. Je veux dire que c'est un film de Claude Chabrol, donc j'ai fait ce que Claude Chabrol voulait que je fasse. Le jour où je ferai des films, moi, peut-être qu'ils sont méchants, mais en l'occurrence, là, c'est... Si quelqu'un a été méchant, c'est Claude, et si quelqu'un a été gentil, c'est Claude aussi, parce que c'est avant tout son film. Je me demande si... Je sais pas si vous avez pas compris le film, mais si jamais il y en a un devant son écran qui a compris ce que je viens de dire... Voilà, Jean-Yann qui a joué pour Piala et Chabrol, des mufles, des assassins, des meurtriers, etc. Et c'est aussi un scénario à la Chabrol qui vous a plu dans le... C'est Hélène. Dans l'adaptation d'Hélène. Hélène, ouais. Mais c'est vrai, oui, bien sûr. Mais vas-y. Oui, l'idée de cette intrigue sous forme de thriller psychologique, on dit Chabrol, mais bon, il y a plusieurs références quand on s'attaque à ce genre de sujet. Moi, c'est Melville plus que Chabrol, mais je suis très honorée. C'est que, très, très bien. Mais voilà, c'est aller interroger cette part sombre des individus et aller les filmer comme on essaye de percer une énigme. C'est la caméra qui les suit. Il y a un parti pris de réalisation. C'est comment la forme participe du fond du film. Et c'est vrai que c'est belles références. C'est ce que je disais, il n'y a pas de champ contre champ. Hélène, elle fait un cinéma aussi. La lumière aussi est très, très belle. Le son, tout est important. Tout est important. Et en tournant en 4 semaines dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles, parce qu'il faisait très, très chaud. Non, c'est vrai, il faisait 45 degrés quand même. On avait l'impression d'avoir assez. Mais c'était un bonheur chaque fois d'aller sur le plateau. Je comptais les jours en me disant « Ah non, il y en a encore un qui est passé. Oh. » On s'est bien entendu. C'est vrai. En tout cas, la vraie chose qui est importante, c'est que c'est un film pour la télévision. Donc moi, c'est la première fois que je réalisais un film pour la télévision. Et j'avoue que les conditions... de la télévision font qu'on va beaucoup plus vite, tout va plus vite, mais même le désir de la chaîne quand elle vous propose le projet, tout va plus vite et on est porté par cette énergie et en fait on peut faire des films en 4 semaines. De cinéma. De cinéma, j'en suis très heureuse que ça soit ressenti comme ça, mais c'est une belle énergie la télévision et plus il y aura des propositions comme ça, plus je pense que les acteurs seront contents et bien sûr les metteurs en scène. Hélène, vous êtes aussi comédienne, vous avez tourné dans... plus d'une trentaine de longs métrages, vous êtes passé désormais, et on vous retrouve dans une confession, en tant que réalisatrice. On dirige différemment quand on a été actrice auparavant? Je crois que ça, je suis loin d'être la seule, et il y a eu des pionnières et des pionniers avant moi, mais oui, je pense que ça apporte quelque chose, on en parlait tout à l'heure dans la loge, mais ça amène quelque chose dans une complicité avec les acteurs. Je pense que les acteurs se sentent portés par cette familiarité, cette sororité ou fraternité que ça impose et ça donne des ailes. Après, on est, je crois, aussi beaucoup plus exigeant. Parce qu'à nous, on ne nous la fait pas, quoi. Et qu'est-ce qu'il essayait de vous faire, Laurent? Oh, non, mais... J'étais docile. Très docile. Non, mais après, chacun est différent, mais Laurent est un acteur qui aime se faire diriger par le metteur en scène, et il se trouve que moi aussi, donc ça permet qu'on avance bien ensemble. Et ma méthode était une méthode assez différente de la méthode de peut-être d'autres metteurs en scène où on se parle beaucoup pendant les prises et voilà. Mais ça amène cette facilité en fait. Il n'y a pas de glace entre nous. Quoi. Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit, tu fais ce que tu veux. De moi.
Exactement. Pas devant son mari qui est producteur. Laurent est donc skieur. Laurent dirige un festival, le festival de Valsenis. C'est pour ça qu'il... C'est cette mine, c'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il a cette mine. Pas trop dans les salles obscures, alors. Où on a présenté l'avant-première, d'ailleurs. Laurent, comédien. Et puis, les gens ne le savent pas trop, mais il est aussi souvent le matin à 8h50 sur RTL. L'autre jour, oui, dans le salon de l'agriculture, vous avez été délocalisé et j'ai adoré... quand votre mission était, façon Mesmer, d'hypnotiser Jean Lassalle. Alors, c'est Jean Lassalle qu'il va falloir hypnotiser. Je vous préviens, ce n'est pas un sujet facile. C'est bien ce qu'on va voir. Ouais. Alors, toi, Jean, tu as compté à l'envers jusqu'à 5. Mes chers compatriotes, vous êtes un hypnotiseur québécois. Ah, vous êtes un con, bout du con, hypnotiseur, bout du con. D'abord, 5, puis 4, 3, 2, 1. Puis là... tu dors. Alors maintenant, tu vas me faire l'âne. L'âne. Je dis l'âne. L'âne, ses grandes oreilles. Ses grandes oreilles. Sa grosse tête. Bayrou, roi des ânes. Bayrou, roi des ânes. Hop, 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 hop. Vous imitez les politiques comme personne. Vous vous moquez d'eux. Mais la politique, vous la prenez toujours au sérieux. Bah oui, je m'en sers, en tout cas pour les chroniques, on s'en sert. Mais c'est un sujet que vous suivez. Ah bah c'est un sujet que je suivais même quand j'étais petit, je regardais les débats. Il y a la politique et la chanson française. Il y a ça, et le cinéma. Et le cinéma.